Oh là là, il est trop chaud, vous avez vu à la vitesse de l'île de chat là. Oh my god. Oh là là. Hey, salut à tous et à toutes les copains, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Si vous voyez que j'ai encore une casquette et un t-shirt, non, c'est pas que je me change jamais, c'est juste que j'ai tourné plusieurs vidéos le même jour. J'en profite, bon là c'est les congés, on travaille pas, en plus j'ai la barbe qui commence à repousser un petit peu, tu vois. J'en profite pour faire le beau gosse parce que très bientôt je dois tout raser, là je vais redevenir un enfant. Donc on profite pour tourner des vidéos. Aujourd'hui les copains, au programme une toute nouvelle vidéo qui va vous faire kiffer. On va mater les plus belles actions de tout Fortnite. En général, c'est les mecs qui arrivent à se soloter tout seul des grosses teams. Mais encore plus impressionnant, c'est quand ces joueurs arrivent à les faire avec un ou deux points de vie. Donc là aujourd'hui les copains, on va voir l'équipe le plus impressionnant des mecs en situation de clutch, donc tout seul contre toute une équipe ou plein d'autres joueurs. Juste avant, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner pour tous les petits nouveaux qui viendraient de tomber sur la chaîne sur cette vidéo. Pensez également à mettre le petit pouce bleu pour tous les copains fidèles et déjà abonnés à la chaîne YouTube. Et également, il y a les réseaux sociaux, c'est Rifi tout partout. Si vous voulez venir me parler, discuter, vous tenir au courant de ce qui se passe sur le jeu, il y a aussi mon Twitch où très bientôt il y aura des streams du soir. Si vous voulez me voir en stream, ça se passera là-bas très bientôt le soir les copains. Je compte sur vous, tout est en description. Et puis du coup, j'irai prendre des gens qui laissent leur compte Epic Games dans les commentaires. Donc voilà, si vous voulez d'avoir un petit cadeau, allez mettez le code créateur, mettez votre compte Epic Games, puis mettez votre petit pouce bleu. Et puis du coup, allez, c'est parti pour la compilation. Je ne me suis pas spoil, on va voir tout de suite ensemble ce que ça donne. Hop, hop, c'est parti. Ok, donc il est solo, il a pas d'armes en plus, il a que deux armes. Ok, il s'en fait un déjà, il a deux HP. Oh là là, ok. Bah il s'est fait les trois mecs, toute la team a lui tout seul, il restait deux PV. Ah là c'est Ninja. Ninja il est très impressionnant quand... quand il, a même, quand il a plus de vie, il garde sa concentration, tu vois. En général, tu paniques, tu vois, t'as plus de vie, il panique pas. Il reste concentré. Ça, c'est beau. Ouais, il est en train de les enchaîner de headshots, mon pote. Oh là, il est trop chaud. Vous avez vu à la vitesse de headshots, là. Oh my god. Oh là là. Les gars, il a mis 3 headshots en 3 secondes. Même pas, en 2 secondes. C'est impressionnant, il reste vraiment concentré tout le temps Ninja, même quand il est dans la merde, tu vois. Et pour ça, chapeau. Oula, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se relever et mettre une balle de pompe. Il va les violer. Deux shots. Et le troisième, la même chose. Fallait s'en douter un petit peu. Putain, il y a aucune balle qui a pris. C'est bon, lui, il a pas de chance. Ok, attention. Il se met dans la merde. Oula, putain, 2 HP, 2 HP. Attention, il maîtrise, hop. Il construit, il build. Oh mec, ça va trop vite pour mon cerveau là, il suit pas. Oh mais le mec il est trop rapide. Hop, le mec il va monter, il va mettre une tête aussi. Putain, il fait pas de dégâts, il a pas de chance. Putain, il a toujours 2 HP dans la merde. Oh là là, il a réussi à se sauter toute la team. Alors qu'il ratait des balles, il mettait pas de dégâts. Il a réussi quand même à remporter son 1v4. Franchement GG. Non. Il va mourir dans la zone, il peut pas monter. Oh là là, il a eu trop chaud, mec. Il mettait pas sa balle de sniper, il aurait pas eu le temps de remonter, il serait mort. Let's go. Oh, il a eu trop chaud, mec. Jamais ça m'arrivait, des trucs comme ça. Il va tomber sur un truc à ce moment. Il a pris une faille. Oh, il a eu chaud, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il remonte? Let's go. What? What the fuck? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il va essayer de repartir dans la zone. Oh putain, c'était bien joué avec le changement de faille. Il s'est créé une espèce d'endroit pour se réanimer. Oh là, putain, c'était bien joué. C'était un beau move. Il va faire quoi là pour terminer? Et ils ont gagné. Et ils ont gagné, ça c'est bon. En trollant le dernier en plus. Donc là, ok, c'est Tfue en stream. En train de manger en plus pour vous dire à quel point il s'en bat les couilles. Même en mangeant, il met des dingueries. Oh, oh là 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 là, il s'est fait plaisir, il a tué les 4 mecs en une seconde. Il les a pliés. Enfin, clairement, il leur a chié dessus. Carrément. C'est le cadeau, il dit ouh, il y a une balle dans la tête. Ça fait pareil. Le mec arrive à faire pareil. You're the last one. Complete the mission. Comme une lettre à la poste. Il s'est sauté la team au fusil à pompe. En même temps, celui-là au corps à corps il était vraiment abusé. Hein. Mais de loin il pue la merde. Oh là là. Eh, je trouve ça beau quand même des mecs qui construisent aussi vite. Ah, ensuite, qu'est-ce qu'il va nous faire?
Ça c'est un truc en mode rediffusion, il a fait danser tous les mecs. Une fois qu'il les a fait danser, il a mis le piège sur tous ses niqués. Il s'est fait la full team avec un piège, il attrape toute une team en même temps. Ok. Alors, je vais revoir ce qui s'est passé, moi j'ai pas trop bien suivi. Et là, NAP, il se fait toute la team. Il a la chance quand même qu'il se mette à 4 là en même temps. Là, il est dans la merde. Ah, il s'est protégé avec le mur, bien vu ça. 36 HP, il y a tout le monde sur lui. Oh, il a réussi à se faire avec l'arme là. Ouais, c'est galère au corps à corps, c'est un mec au pompe, il te la met en général. Ouais, il tue un troisième mec qui était full life. J'ai rien compris à ce qu'il a fait avec son escalier, mais s'en est sorti indemne. C'est ce qu'il faut retenir. Mon cerveau de Bambi, il a pas suivi. Ok, lui va faire quoi là? Ah, il reste sa balle de carabine. Ça part en bifight? Ah ouais, ça part en bifight. Il construit aussi bien que moi apparemment, je viens de voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va pas se faire chier, il va faire tomber. Ah non, il est descendu. You're dead, bitch. Il est la bonne ninja. Ah, il reste encore en vie. Oh là, le noscope qu'il a tapé. Ah, drop, I'll drop, I'll drop. Chocolate. Ok. Là, ils sont à plusieurs sur un mec apparemment. Ils vont le faire tomber. KO. Nice. Vas-y, va nous la nice, mettre. Nice, let's go. Pas mal. Woo. Ouais, du coup, c'est pas vraiment un clutch, mais... Yes. Il a assuré ses kills. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont en AV1 là. Il va sauter. Oh là 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 là. Petite balle de pompe. Moi je panique quand c'est les dernières envies. Je sais pas pour vous les copains. Moi c'est les dernières envies. Déjà je perds tous mes moyens. Ok. Un premier kill. C'est la fin de zone. Apparemment c'est du compétitif. Parce qu'il y a tout le monde qui est construit. Oula merde, il est tombé tout en bas. Ah, il se met dans la merde. Il reste plus qu'un, c'est un V1. Je pense qu'il va lui mettre. Ouais, il l'a mis. C'était bien joué. C'est bien joué. Ah, bon, c'est un. Pas mal. Bon, je suis incapable de faire ce qu'il faut. Vraiment. Ok, là, pareil, c'est un mode arène, je pense, ou un truc comme ça, parce que c'est des bons joueurs en fin de zone. Oh, il a fait une collate ou c'est bon? Ah non, j'ai rien. Il a fait faire une collate. You're good. Oh, une tête, 180. Ah, il est réactif, hein, il est bon. Bien joué ça. Et même moi j'étais concentré. Même moi j'étais concentré sur son clip. Ah, il était bon. Et c'est un pudé. Bah, là, c'était un clutch en plus. Ouais, c'était un clutch, j'étais en team. Il s'est retrouvé tout seul à la fin de la zone. Allez, copains, qu'est-ce que nous faire le copain de poisson là? Ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Fais-nous pas du poisson pané, mec. Eh, là, il a fortifié son truc. Oh, il a fait tomber. Il a réussi à se rattraper. Allez copains. Oh, il a esquivé la grenade de justesse avec son truc. Dès qu'il a vu qu'il mettait un bombardement, il a mis sa grenade pour l'esquiver. Fallait y penser aussi hein. En général quand tu paniques comme ça, tu prends pas les bonnes décisions. On voit qu'ils ont de l'entraînement quand même. Ok. Il se retrouve tout seul contre plein de gars. Il met un trap. Et il se les a tous tués. Et il est tranquille, serein. Il en reste un. Ah ouais, c'est la fin. Bah écoutez les copains, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu sur la vidéo. Pour les petits nouveaux, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. On se regarde très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Rifeed, c'était votre tonton Tacos. Ciao, ciao.
deciding to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please. Cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and